Le bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, LSPDFR, le mode police qu'on attendait tous avec impatience. Je suis ravi de faire la première vidéo sur GTA 5 PC, vraiment ça me fait vraiment du bien de faire des vidéos sur GTA 5. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais voici les amis, c'est parti, on va enfin pouvoir se faire plaisir avec des modes de tout type, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on est en gendarmerie, comme vous pourrez peut-être voir derrière nous. Nous avons plusieurs véhicules dans la gendarmerie, nous avons la Clio 4 break de la gendarmerie, nous avons la Touran de chez Volkswagen avec le PSIG, le groupe d'intervention spécial il me semble. Là nous avons le Renault Kangoo, donc il fait un peu vieux, mais franchement je peux vous dire, un jour on va l'utiliser, il sera vraiment au top. Et pour finir nous avons le Peugeot Expert de 2018 il me semble, qui est totalement magnifique. Par contre pour la conduite il est un peu spécial, mais en tout cas il est magnifique. Alors aujourd'hui nous allons patrouiller avec quoi? Avec la Clio 4 qui est totalement splendide, j'ai envie de dire, qui a les gyrophares magnifiques aussi avec, rien à dire. Dans cette vidéo, vous allez voir quoi? Vous allez voir quelques petits bugs, mais comme vous le savez, c'est GTA 5 PC, vous allez voir des petits fous rires, vous allez voir du RP, vous allez voir vraiment quelque chose de raisonnable, de cool avec Monsieur LOL. Allez, c'est parti, on va se mettre en mode patrouille. Puis c'est parti, on va faire aussi des contrôles routiers, des contrôles de vitesse, et nous allons des fois répondre à des patrouilles. Franchement les amis, j'ai envie de vous dire, je vais me faire plaisir. Nous avons un collègue, le Kangoo, bonjour collègue. Nous sommes bien sûr dans une ville qui a la gendarmerie et non pas la police nationale. On verra ça dans une prochaine vidéo, j'ai envie de dire. Et oui, aussi j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Bon, la voiture que vous voyez là-bas de la police américaine, c'est sûr que vous la verrez des fois de temps en temps, parce que je n'ai pas réussi. Ok, d'accord. Toi tu roules avec un pneu crevé, donc je vais aller t'interpeller directement, je vais aller te faire un petit contrôle. Allez s'il te plaît, arrête-toi. Bonjour monsieur. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends la fuite comme ça là? Oh, je vais prendre le taser, je vais lui demander s'il te plaît. Tu vas te mettre... Voilà, mets-toi comme ça s'il te plaît là. Mets-toi à terre s'il te plaît, je vais juste te monoter parce que sinon, voilà, je m'en doutais. Voilà le problème de GTA. Voilà, s'il te plaît, toi tu te calmes, toi tu te calmes, toi tu te calmes. Voilà. Donc, allez, je vais juste te mettre les monotes s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu as préféré prendre la tuile, je vais tout simplement voir ça plus tard. Donc, je vais juste libérer la route, je vais libérer juste... le trafic s'il te plaît. Non, tu vas pas monter avec moi, tu vas pas monter avec moi, tu vas pas monter avec moi. Je vais juste appeler un collègue. Je vais juste te mettre dans ma voiture en attendant que tu ouvres la porte normale. Voilà. Je vais juste... Est-ce qu'un véhicule il commence à prendre feu là? Je vais juste le déplacer. Voilà, je vais juste le mettre ici en attendant. Il va aller récupérer. J'appuie sur C, je vais lui demander la plaque d'immatriculation, voir si le véhicule est en totale régularité. Donc là, ça va être transporté ailleurs. Ok, il est en bonne circonstance. Bon, bah, je pense que le monsieur, il avait quelques... Jennifer Lewis. Alors, à mon avis, le gars, il doit pas s'appeler Jennifer Lewis, à mon avis. Je vais juste savoir comment il s'appelle. S'il ne s'appelle pas Jennifer Lewis, c'est qu'à mon avis, le véhicule, il est... voilà, il l'a volé. Voilà, donc déjà, le suspect, il est recherché. Il s'appelle Bishop's Park. Donc voilà, donc déjà, le véhicule, il était volé, c'est ce qu'on peut voir. Je vais juste appeler la dépanneuse. Voilà, parce que bon, bah, à mon avis, il a dû s'enfuir pour ça. Bah, par contre, là, c'est un peu la merde, là. Ok. Je vois qu'il y a une voiture. Ah bah oui, mais aussi, il y a une voiture qui est là. Je vais juste la... Bon voilà, tu te barres avec la voiture, c'était peut-être toi le proprio, t'avais intérêt à te dégager. Voilà, par contre le collègue il sait pas quoi faire, je vais juste enlever mes gyrophares. Voilà, je vais me mettre là, je vais attendre juste la dépanneuse. Je vois que... Qu'est-ce qu'il fait lui là? Bon, ok. Je vois qui je crois à mon avis. Donc, la dépanneuse elle est là. Ok, par contre le collègue si tu pourrais juste...
te faire un autre créneau, s'il te plaît. Bon, pour moi, bon bah voilà, il la transporte, elle est dans la dépanneuse. Pour moi, la fin de mission s'arrête là. Le collègue, il va l'emmener au commissariat ici. Moi, je vais continuer à patrouiller dans le coin. Et donc là, je regarde juste s'il n'y a pas des gens à l'intérieur. Ouais, normalement, ils n'ont pas le droit de se mettre là, mais c'est à la municipalité de le faire. On a des collègues là-bas. Normalement, aux États-Unis, on a le droit de tourner comme ça avec le clignotant, même au feu rouge. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Non, le bus tranquillement. Il y a beaucoup de collègues à moi, j'ai remarqué. Je vais aller prendre la direction de l'autoroute. Ok, collègue, il est en intervention. Allez, on va prendre direction l'autoroute. On va aller faire des petits contrôles de vitesse. Et puis, on va voir comment ça va se dérouler, tout simplement. Allez, là, par contre, je fais des choses qui ne sont pas forcément autorisées dans la législation de la police nationale ou dans la gendarmerie. Allez, on va aller se positionner là-bas en haut. On va aller tout simplement vérifier que les véhicules soient tous en règle de vitesse, hein, on va dire. Entre autres, vous m'avez compris, c'est vrai que je parle pas très bien le français, mais ce n'est pas un problème. Allez, on va se mettre ici. Ça me semble très bien de se mettre ici. Je vais appuyer sur la touche F5. Je vais me mettre ici et on va le mettre ici. Voilà. Donc c'est limité à 70, hein, je voudrais prendre sur une limitation de 80, 76, 76 normalement je voudrais prendre. Puis nous allons attendre tout simplement. Attends, j'ai perdu mon cercle rouge, ah oui il est là. 70, hein, je voudrais prendre sur une limitation de 80, 76, 76 normalement je voudrais prendre. Puis nous allons attendre tout simplement. Alors allez c'est parti, on va attendre un peu. Les amis, on se retrouve, la patrouille de vitesse n'a pas fonctionné, hein, ils m'ont cramé. On va essayer de patrouiller dans le secteur avec des interventions telconques. Là j'ai activé la radio. Je vais me mettre ici en attendant que j'ai une intervention. Pour l'instant on va aller contrôler vite fait. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais juste activer voilà. Et puis on verra ce que ça donne au fil du temps. Et puis dès qu'on a une intervention, on la prend. Et bon, on verra ce qui se passe. Et parce que vous voyez, il me crame un peu. Oh là là, allez hop. Moi, je vais prendre direct elle. Je vois que elle a fait n'importe quoi. Ah, en plus, ouais, elle est suspectée de base. Il y a un petit point blanc. Elle roule très vite. Allez. Ouais, je vois qu'elle fait n'importe quoi. Allez, on a un suspect en vue. Allez, s'il te plaît, arrête-toi. Voilà, tu risques ta vie en danger, tu mets la vie en danger. Oh là là, elle a percuté. Oh là là là, putain, allez. Faut appeler les EMS. Arrête-toi. Ok. J'ai besoin de collègues. Arrête-toi. J'ai dit arrête-toi, s'il te plaît. Elle veut pas s'arrêter, ok. Toi, tu vas me suivre immédiatement. Saisie du véhicule, t'as renversé quelqu'un. Contrôle T. Toi, tu vas me suivre directement. Toi, tu vas aller en prison. Allez, cherche pas à comprendre. Tu vas descendre du véhicule. Ok, allez. Toi. Ah putain, allez, c'est parti. Ok. Bon, on a un refus d'obtempérer, local air, on va appeler des collègues. Ah là là. Ah, il faut immédiatement la bloquer. J'ai fait des appuis aériens.
Ah, elle fait n'importe quoi, elle fait n'importe quoi là. Allez collègue. Même le collègue il a du mal à suivre. Allez collègue, allez, allez. Elle est où? Ah ouais, elle est là. Ok. Elle va me percuter. Allez collègue, s'il te plaît, si tu peux m'aider collègue, ça serait super cool, s'il te plaît. Allez, allez. S'il te plaît collègue. Ah là là. Allez, toi tu vas descendre direct. Merde, qu'est-ce que tu me fais là? Descends direct. Tu descends. Au sol, chérie. Au sol. Ok, il lui passe les menottes. Ce que je vais faire, les amis, la personne a été. J'ai juste fermé la route en attendant. Elle va suivre mon collègue. Je vais juste appeler la dépanneuse pour qu'elle vienne le chercher. Mes collègues, ils ont pris la suite. Dépanneuse qui est là. Moi, je vais y aller. Je vais les laisser gérer. On m'attend sur d'autres interventions. Donc Jessica Wood, voilà, elle a bien été prise en charge. Moi, je vais patrouiller un peu dans le secteur. Et puis on va bien voir ce qui se passe. On va juste attendre. Bon, ça a l'air de bien rouler tranquillement ici. Bon, lui, il transporte quoi, lui? Hop, on a un motard sans casque. Allez, c'est parti. Allez, s'il te plaît. Toi, suivre. Allez, tu vas me suivre. Hop, tu vas te mettre ici avec moi. Tu n'as pas de casque, donc déjà, c'est 50 euros. Allez, bonjour, monsieur. Oh là là, putain. Ok, tu veux jouer à ça? Allez, descends du véhicule. Descends du véhicule, je t'arrête tout de suite. Refus d'obtempérer. T'as intérêt à te mettre à genoux, toi, là. Accroupis-toi. Je vais t'arrêter. Voilà, bon, bah écoute, je vais t'appeler du service de collègue. Donc, on va savoir pourquoi tu étais en tort. Donc, déjà, la plaque du véhicule. Ok, donc c'est pas ça. Je vais juste savoir par rapport à toi. Donc là, il y a les collègues qui vont arriver le récupérer. Bah pourtant, je vois pas pourquoi tu te plains. Je la saisis du véhicule. On voit les collègues au fond. Je sais pas ce qu'ils font. Donc du coup la saisie du véhicule là, obligatoirement. Je vais juste appeler une dépanneuse. Ah, la dépanneuse elle vient. Je crois que je vais t'amener moi-même derrière les barreaux. Les collègues à mon avis, je crois ils sont partis sur une intervention. Voilà, donc là il y a les collègues. La moto est partie, fin de mission pour moi. La gendarme l'a eu. Illégal immigrant dans un camion. Allez, c'est parti, je prends. Alors, où est-ce qu'il se trouve, lui? Allez, c'est parti, je prends l'intervention. Allez, désolé comment je roule. Je vois que le camion il est au niveau des parcs des éoliennes. Allez, c'est parti. Le casque, les gars, les casques.
En plus, ma voiture, elle est pas tout terrain, mais on va essayer de faire avec. Je vais juste appeler des renforts sur ce coup-là. Je vais juste appeler le SWAT au cas où. Alors, où est-ce qu'il est le camion? Ok. Ok, je l'ai là. Arrête-toi. Allez, vas-y, passe. Arrête-toi, s'il te plaît, après. Non, bah non, c'est pas lui. Ah si, c'est lui. Ok, bien reçu, contrôle. On va essayer de l'intercepter. Alors, gentiment, s'il te plaît. Allez. Donc apparemment, il transporterait des migrants derrière, c'est ça? Allez, bonjour monsieur. Ok. Ce que je vais faire, je vais tout simplement l'identification, s'il te plaît. Alors, James Ristwell. Ok, c'est parfait. Alors, du coup, il s'appelle James. West Get. Ok. Alors, est-ce que tu es recherché? Non, tu n'es pas recherché. Ok. Je vais demander à Central si son véhicule correspond bien, s'il n'y a pas de souci. Normalement, tout va bien. Donc, ça va être. 4, 6, Edward. Ok, bah non, bah apparemment, tout a l'air normal. Donc, je vais juste. Je pense que je vais te laisser repartir. Est-ce que tu abuses? Non. Ok, bon, bah. Je vais te laisser repartir. Allez, au revoir, monsieur. Faites attention à vous. Ah oui, juste oublié de vous dire un truc. Faites attention à vous, on sait jamais. Ok, Yuki. Bon bah fausse alerte centrale. Ah, des fois ça peut arriver les fausses alertes. Donc là normalement c'est pas notre terrain, c'est plus sur la on serait plus sur le Ranger, le 4x4 de la gendarmerie qu'on verra dans une prochaine vidéo. J'ai envie de le contrôler. Ah, s'il te plaît, arrête-toi. Tu me parais un peu louche, toi. Allez, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous transportez? Ok. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu bouges? Ok, alors bonjour monsieur, je vais juste savoir ton identification. Alors, Johnny McKenzie, ok, je vais aller juste taper ça. Alors, Johnny McKenzie. Alors, es-tu recherché, Johnny McKenzie? Non, tout va bien, ok, je vais appeler Central pour voir si ta plaque d'immatriculation est bonne. Ok. Ok, la licence est suspendue. Donc, s'il te plaît, je vais te demander de bien. Question, s'il vous plaît. Est-ce que ton véhicule est recherché? D'accord. Bon, alors, par contre, je vais juste devoir te sortir du véhicule, s'il te plaît. Je vais devoir la saisie du véhicule. Je vais juste. Pouvoir vous mettre une amende. Donc je vais prendre la saisie du véhicule, monsieur. Je vais appeler la fourrière. Monsieur, calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Ok. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît.
Ok, donc déjà il y a eu outrage à l'agent, il a poignardé, enfin il a. Ok, donc déjà je vais t'emmener au commissariat, toi. Voilà, je vais appeler les collègues. Je vais appeler une dépanneuse pour ta voiture là. Les collègues, voilà, ils arrivent, ils étaient juste à côté. On a la dépanneuse qui arrive en plus, c'est pas magnifique. Alors j'espère que ça va pas bugger avec la remorque. Voilà, bon. C'était sûr que la remorque, ça allait bugger. Ok. Allez, bonjour. Bonjour. Donc là, c'est l'officier. Ok. Bon, allez, c'est parti. J'espère en tout cas. Bon, alors merci à tous d'avoir été là. Alors lui, je vais l'intercepter direct. Allez, suis-moi. Tu vas me suivre. Allez, on va se mettre ici en plein milieu. Alors, reste dans ton véhicule. C'est vrai que normalement, c'est pas bien ce que je fais. Je vais juste barrer la route au cas où. Voilà. Alors, bonjour monsieur. Déjà, pour commencer, je voudrais savoir vos papiers, s'il vous plaît. Donc, tu t'appelles David Giraldo. Ok. Donc, s'il vous plaît, restez là. Je vais rentrer juste dans mon véhicule, taper votre nom. Alors, David Giraldo. Donc déjà vous n'êtes pas suspecté, d'accord, premièrement. Je vais faire juste une plaque d'immatriculation. Par contre, je vais vous mettre une amende parce que vous avez emprunté. Ok, donc déjà, vous avez plus d'assurance sur votre véhicule, donc je vais vous mettre déjà une amende. Et donc, ouais, votre licence a été expirée, donc je vais vous mettre une amende, monsieur. Alors, c'est parti. Je vais vous mettre une grosse amende, donc déjà, ça va être une amende de 130 euros pour commencer. Avec un. Je vais pas faire un retrait de permis, je vais vous enlever juste 5 points, monsieur. Je vais pas faire la saisie du véhicule. Voilà. Toi, tu n'as pas de casque, toi, ça. Ah, si, ouais, on va dire, il y a un casque de vélo. Donc la prochaine fois, monsieur, là je suis gentil, hein, vous serez gentil de bien vouloir changer ça, s'il vous plaît. Allez, bonne journée, monsieur, au revoir. Alors, est-ce que. Allez, re les amis, on se retrouve. Alors, là, on se dirige tout simplement vers la plage. Et puis, on verra ce qui se passera. Voilà, on a changé de camp parce que on n'a pas fait cette partie de la ville. Et franchement, j'ai envie de la faire. Alors, le jeu a crashé, hein, il crash beaucoup le jeu, c'est pour ça que je vous fais des transitions. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous plaît. Moi, elle me plaît énormément. Par contre, moi, je suis gendarme, donc je fais ce que je veux. J'ai le droit de passer où je veux. Allez. Là, j'ai un point blanc sur la map. On va aller la suivre. Ok. Bon, déjà, elle fait grincer les pneus. Ok. On va essayer de la prendre en flag. Si elle fait quelque chose de mal. Déjà, elle me paraît un peu suspect. Allez, hop. On va l'interpeller. Damn.
Ouais, je sais pas pourquoi tu fais ça. Arrête, arrête. Oh, j'ai l'impression qu'elle avait pas coopéré là. Et on va se mettre devant elle. Ah, moi aussi j'ai du mal. Ah, elle a déjà fait n'importe quoi là. Alors, je sens qu'elle va se barrer. Non, tu vas pas te barrer. Bonjour. Alors, bonjour, donne-moi ton identification. Donc, Lulu Mekans, ok. Alors, Lulu Mekans, ok. Alors, on va voir si elle est recherchée déjà. Déjà, elle n'est pas recherchée, d'accord. Je vais appeler Centrale pour voir si sa plaque d'immatriculation est bonne. Donc on voit bien que c'est la même plaque, hein, 07K, etc. Ok, je... Bon bah d'accord, ok, bon bah ça a l'air de bien se passer. Je vais demander l'identification du passager. Donc il s'appelle Terenzo Gavino, on va le faire au... Alors, Terenzo Gavino, on va voir s'il est recherché. Non, ok. Je vais juste lui demander si elle a bu. A priori, non. On va lui demander si elle a bu. Yes, juste pour me déshydrater. D'accord, est-ce que vous avez pris de la drogue? Non. Est-ce que vous êtes en... Oh, bien sûr que non. Ok. Je vais rien vous faire. Pénalité, je vais rien vous faire. Parce que voilà, on a tous. Voilà, je vais vous laisser tranquille, hein, vous avez rien à vous reprocher. En tout cas, je vous souhaite bonne route et évitez de faire ça, ça peut énerver certaines personnes. Au revoir, madame. Allez, c'est vert pour nous. Lui aussi, il patine. Bon, c'est pas un problème, on n'est pas là pour patiner, nous. On va aller vers la plage. On va aller bronzer un petit peu, on va dire, entre autres. Oula! Ouais, faut que j'évite de faire ça si je veux jouer RP. Organiser Sistras. Donc apparemment il y aurait des courses illégales. C'est parti, je prends. On va aller voir ça tout de suite. Alors apparemment il serait dans le coin. Allez, on va aller voir ça. Pour l'instant, je vois pas trop grand chose. Donc, le Tristras, en fait, c'est. Il me semble c'est des voitures. Oups, ça se déplace là-bas. Il me semble c'est des voitures qui roulent à tout à fond. Ok, je vais mettre le gyrophare parce qu'apparemment, ils ont l'air de se dépêcher. Allez, on va aller se dépêcher un peu. Ah, je vois que c'est une moto au loin. Ah non, j'allais dire c'est peut-être une moto. Ok, c'est bon, j'ai le véhicule en vue. J'ai le véhicule en vue là-bas. Pour l'instant, bon, je peux pas avoir de collègues. Ah, le véhicule là, il fait n'importe quoi, ce que je vois. Il fait n'importe quoi. Ok, je vais juste appeler. J'appelle tout le monde, je m'en fous. Allez, s'il te plaît. Arrête-toi s'il te plaît. Ok, bon déjà le suspect il veut pas s'arrêter, ok. Ça commence très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête-toi, je t'ai dit là. Ok, bon le suspect il veut bien coopérer. Allez, on va aller se garer là-bas. Excuse-moi moto. Allez, contrôle T. Allez, tu vas me suivre. T'as pas intérêt à te barrer. Hein. Là. Bon, tu t'es pris le panneau, tu m'as l'air un peu bourré toi. Allez, je vais me mettre ici, contrôle K, la massacro, ok. Alors, bonjour madame, drive à l'identification s'il te plaît, tu t'appelles Oli
Woods, ok, je vais demander à Central si elle la connaît. Si elle est recherchée déjà. Déjà, tu n'es pas rechargé. Je voulais juste demander ta plaque d'immatriculation si elle est bonne. Si ton véhicule. Bon, déjà, par contre, je vais. Je pense que. Je sais pas ce que je vais faire encore. Si le véhicule il est à la licence rouge, bon, bon, il est bon. Je vais juste demander. Madame, je pense que vous allez du boire. Question, est-ce que vous avez bu? Vous êtes sûr de ce que vous me demandez? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que mon avis, elle a roulé à toute vitesse, donc immobilisation du véhicule, je vais pas chercher à comprendre. La saisie du véhicule, et je vais lui mettre 5 points et une amende d'environ 145 €. Parce que déjà, elle a détruit, on va dire, elle a touché un mur, elle a touché plusieurs voitures derrière, je vais lui mettre même 200. On va aller l'amener au poste. La saisie du véhicule, je vais appeler peut-être les collègues, je sais pas. Bon, pour l'instant, je reste là. Je lui fais l'amende. Par contre, je veux juste lui demander de sortir du véhicule en attendant. Voilà, je lui fais juste l'amende et je vais appeler Central qui vienne la chercher. Voilà, et qu'est-ce que vous faites là, madame? Oh, oh, s'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. Alors déjà, vous allez vous mettre à terre. Voilà. Ok. Allez hop, je lui mets les menottes. Je vais appeler les collègues parce que, bon, après, c'est vrai qu'en Amérique, ils feraient ça différemment. Mais voilà, c'est pas... Voilà, ça se passe comme ça. Les collègues vont arriver. Monsieur, vous avez quoi comme dégâts? Je vais juste... Ok. Oh. Voilà. J'ai mis juste une barrière que j'avais dans mon coffre. Voilà, j'ai pour l'histoire pour que ça passe. Les collègues vont arriver, je vais juste déplacer mon véhicule. Non, par contre elle va pas rentrer avec moi. Il y a les collègues qui vont arriver normalement. Bon allez, vas-y, monte avec moi si tu veux en sécurité. Voilà, il y a les collègues qui vont arriver. Hop, on va se mettre ici, tranquillement. Le collègue va venir le récupérer. Je vais juste enlever les barrières. Hop. Ok, on a la Clio Mégane qui est là. Oh là là, je sens que le collègue... Non, ok. Ok, allez, bonne journée. Collègue, je te la laisse. Nous, on va aller parcourir la plage. Normalement, on était censé parcourir. On va aller voir au parking ce qui se passe. Alors, pétrole. Apparemment, il y a eu un vol de pétrole. On va aller voir ça. Donc, un vol de pétrole, à mon avis, ça doit être à la station service. Un vol de carburant. Voilà, ils savent pas conduire dans cette ville. Allez, bonjour monsieur. Alors, bonjour officier, d'accord, ok. D'accord, ouais. Donc il va me montrer les caméras pour voir c'est quel véhicule qui a volé du carburant. Donc apparemment je vois que c'est je vois pas très bien ce que c'est. Il peut pas bouger ses caméras, non. Une voiture break à peu près 4x4, un pick-up, j'ai envie de dire. Un pick-up, merde, ça doit être un pick-up. Ok, est-ce qu'il va me donner la plaque? Voilà, 83 OCW. Ok, donc 83 OCW. Bon, allez, c'est parti. Par contre, il m'a toujours pas dit la direction. Ah bah, il s'est barré par... Donc, c'est-à-dire qu'on l'a dû le croiser. Ok. Donc, il est dans le coin. Ok, ça marche. 83. Ça commence par 83. Et on a dit que c'était un espèce de pick-up. Voilà.
ça se trouve il peut être garé, excusez-moi, ça se trouve il peut être garé dans le coin quoi. Ça se trouve il est peut-être garé dans le coin là-dedans. Qu'est-ce qu'il ferait là-dedans le pick-up? Il a pas fait demi-tour quand même, il serait pas bête. Donc là je vois qu'il n'y a rien du tout. Ah. Ah bah à mon avis l'individu. Ouais, c'est ça, c'est l'individu. Allez, bonjour monsieur, tu descends tout de suite ton véhicule. Tu descends tout de suite, 83, ouais, c'est ça, ok. Tu descends tout de suite ton véhicule. Tu descends tout de suite. Allez, à terre, je t'ai dit. Voilà, tu descends. Voilà, vous écartez s'il vous plaît. Ok, je vais appeler juste des collègues. Ok, c'est bon. Code 4, ok bon. Alors par contre le véhicule là vraiment là il est très mal mis. Je vais juste savoir ton identification s'il te plaît. Alex Cohn, d'accord. Tu es né en 1970. Bon tu n'es pas recherché. Pourquoi il fout ça monsieur là? C'est pas bien de faire ça là, vous savez très bien. Bon il y a les collègues qui vont arriver. Je vais juste vérifier la plaque d'immatriculation si le véhicule il est en recherche ou pas. On va voir si le véhicule il est en tort. Si le véhicule est recherché, j'ai envie de dire. Donc déjà voilà, il est recherché parce que déjà la voiture elle appartient à Sarah Palin. Donc voilà, c'était pas lui. Je vais appeler du coup une dépanneuse et ce monsieur-là, on va aller, ils vont l'emmener au. Ils vont l'emmener à mon avis au poste et puis la police judiciaire va régler le reste quoi, j'ai envie de dire. Donc la dépanneuse va arriver, c'est bon, je vais donner toutes les infos. Il n'y a pas besoin d'autres informations. Voilà, la dépanneuse est là. Je vais juste la laisser tranquille. Ok, allez, c'est parti. On va revenir sur notre route. Le véhicule roule toujours sur l'autoroute. Je vais me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la voie. On va essayer. Alors le véhicule, où est-ce qu'il a pris? Il a été tout droit ou pas? Je ne sais pas. Le véhicule est toujours sur l'autoroute. Ok, très bien. Donc je répète, le véhicule est potentiellement recherché et la personne dedans est potentiellement sous effet de l'alcool ou de drogue et peut provoquer plusieurs vies en danger. Ouais, je le vois là-bas, c'est bon, ok. Véhicule en visuel, je vois qu'il fait beaucoup de zigzags. Allez, s'il te plaît, arrête-toi. S'il te plaît. Est-ce que tu peux t'arrêter? Ok, tu vas juste me suivre, l'histoire qu'on se mette bien. Allez. Ok, bon, déjà, je vois qu'il veut pas... je vais juste me remettre derrière lui. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le contrôler là. Je vois qu'il peut pas me follow, donc je vais juste allumer mes oranges. Je vais me mettre ici. J'espère juste qu'il va pas se barrer. Bonjour madame. Alors, je voudrais juste voir déjà, est-ce que vous avez bu? Non, est-ce que vous êtes sur l'emprise de drogue? Ok, d'accord. Votre identification, s'il vous plaît. Kylian Francisco, je vais demander à la centrale si Kylian Francisco est recherché. Madame, en fait, on nous a signé. Je vais demander juste déjà, je vais voir si le véhicule est en totale conformité. Je vais, si le véhicule est correct, je vais vous mettre une amende, madame. Alors on va bien voir ça, ok. Alors madame, je vais vous mettre une amende parce que vous faites un peu n'importe quoi sur l'autoroute. Du coup. Pénalité, je vais vous retirer 2 points. Je vais vous mettre une amende de 90€ parce qu'il y a eu excès de vitesse. Je ne sais pas combien vous étiez, donc je peux pas précisément vous dire. Je vous mets juste une amende de 90€. Vous êtes arrêté, tout le monde, enfin tout est en conformité, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais vous faire l'amende tranquillement et après vous pouvez repartir. Voilà. Et nous, on va rentrer après au commissariat. Fin de service pour nous aujourd'hui. Voilà, madame. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à être tranquille la prochaine fois.
Allez, sur ce, du coup, on rentre dans la voiture. On va éteindre les gyrophares. LG. Donc, pourquoi il me dit toujours qu'il y a un point rouge? Bon, je vais juste la suivre un petit peu. Pour l'instant, je vois qu'elle fait pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Allez, elle a compris le message. Ok, allez. Hop là, on va se mettre ici. Allez, juste derrière la moto, on va se mettre ici. Voilà. Hop, tranquillement. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Moi, franchement, ça m'a plu. Je suis prêt à refaire d'autres épisodes. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous game. C'était Monsieur LOL. Allez, salut les amis.